Bonjour, je m'appelle Najib, j'ai 28 ans. Donc, j'ai intégré Natixis en septembre 2010 dans le cadre d'une formation en apprentissage. Donc, j'ai préparé un diplôme d'ingénieur en système d'information et réseau pendant 3 ans. À la suite de ça, j'ai intégré Natixis en tant que concepteur développeur dans l'équipe de développement non IQ dans le domaine de financement. Donc, vraiment 2 ans après, on m'a proposé de prendre la responsabilité des équipes de dev financement et portfolio management. Et je manage aujourd'hui environ 15 de personnes. Ce qui m'a vraiment plu sur Natixis, c'est l'ambiance de travail. Ensuite aussi, il y a le fait que ma hiérarchie m'a vraiment fait confiance. Déjà, quand j'étais apprenti, on m'a assez responsabilisé. J'ai senti vraiment une bonne connexion en fait, avec ma hiérarchie, donc j'ai décidé de continuer chez Natixis. Donc aujourd'hui, les applications sur lesquelles je travaille sont utilisées par plusieurs centaines de gestionnaires, d'utilisateurs chez Natixis. Notre métier, vraiment, il est, on va dire, en deux parties. Il y a vraiment aujourd'hui ce qu'on appelle nous le run, donc la production, où on essaie de fournir donc, un service de qualité. Il faut pas qu'il y ait de bugs, il faut que ça puisse fonctionner correctement. Et à côté de ça aussi, on essaie de répondre donc, aux nouveaux besoins, en essayant d'innover, de proposer des nouvelles solutions, toujours en fait en gardant en tête qu'il faut essayer de faciliter leur quotidien et d'apporter des nouvelles choses à tous nos utilisateurs. Si ça à refaire, vraiment, ça serait sans regret. Premièrement, par rapport à mon parcours. Aujourd'hui, on m'a donné la chance d'être manager et de pouvoir manager une quinzaine de personnes sur différentes problématiques, que ce soit côté financement ici ou côté portfolio management. J'ai vraiment aucune journée qui se ressemble. Et deuxièmement, je trouve que Natixis prend vraiment une bonne voie en ce qui concerne l'innovation et l'ouverture, un peu le partage. Globalement, il y a plusieurs initiatives. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui fait, par exemple, aujourd'hui un POC sur la blockchain. J'en ai un autre qui travaille sur tout ce qui est technologie big data. Et même globalement, au niveau de Natixis, il y a vraiment plus de réunions, de meetings, de conférences où chaque équipe va présenter un peu son travail. On peut notamment un peu citer aussi l'initiative My Own Company, qui a été au sein de la DSI, en fait, une espèce de plateforme de crowdfunding où chaque collaborateur pouvait présenter son idée. Ça montre vraiment en fait, l'esprit un peu entrepreneurial. On a recruté récemment quelqu'un dans mon équipe qu'il avait vraiment apprécié chez Natixis. C'est qu'en fait, on a nos impératifs métiers, c'est notre priorité, mais on a quand même un esprit start-up pour essayer d'innover et d'utiliser des nouvelles technologies. Donc si je devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait postuler chez Natixis, je lui dirais que premièrement, il faut, je pense, avoir un attrait pour le fonctionnel financier. Et deuxièmement, en fait, le monde de l'IT aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de concurrence. Donc je pense qu'il faut savoir se démarquer et pour ça il faut faire un peu de veille technologique, il faut avoir l'esprit ouvert sur les nouvelles technologies et je pense que c'est ça le deuxième fait marquant pour rejoindre Natixis.